Sally, Jane, Toby, si c'est encore une de tes blagues, je suis pas d'humeur. Fais gaffe. Toby. Toby, il est là, il est à la douche. Et les deux filles, elles doivent dormir à cette heure-là. Je verrai ça plus tard. Alors, j'étais là. Ne t'approche pas! Reste où tu es! Qui es-tu? Tu ressembles... Enfin, j'ai l'impression de te connaître. Tu ressembles à la fille que j'ai vue dans le bus la dernière fois. Est-ce que c'était toi? Non, attends! À personne. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh merde! Je crois que c'était une main, moi. Faut que je me fasse un planning un jour. Encore ces restrictions idiotes. Bon, je mets un sweat et on y va, d'accord? Oh. On peut y aller. Ah non! Qu'est-ce que vous avez tous avec mes fringues en ce moment? Finis cette phrase et je peux t'assurer que tu auras toute la communauté d'Undertale à dos, moi comprise. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, et coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec mon troisième oncle... avec mon troisième oncle. Rien. Comme d'habitude, je dédie cette vidéo à la personne qui me l'a demandé. Donc là, je ne sais plus, attendez... C'est Nightmare of Sister. Au pire, je le mettrai écrit ici. Donc, en tout cas, je lui dédie cette vidéo parce qu'elle me l'a demandé. Et ma foi, si vous êtes hypé, c'est parti. Donc, je vais vous présenter 5 choses sur mon oncle... J'ai pas hésité, c'est juste j'aime bien dire oncle, c'est tout. Donc je disais 5 choses sur
sur mon oncle. Parce que j'ai remarqué que sur Wiki Creepypasta, il y avait des choses sur lui, mais il y a encore beaucoup de mystères qui planent autour de lui. Donc, je vais vous révéler quelque chose qui ne sont pas marqués sur Wiki Creepypasta à son sujet. Et j'espère que vous apprendrez plus sur mon oncle. Mais non, j'hésite pas, je te dis. Non. Première chose, oui, c'est une drama queen. Oui, vous le savez sur Wiki Creepypasta, mais je préfère préciser que c'est pas une drama queen normale, vous savez, vraiment, ça va encore, ça dramatise pour rien, en mode « Ah, j'ai révisé, mais je vais avoir zéro en français !» Non, lui, ça marche pas comme ça. Lui, comment vous expliquer? T'as une tache de café sur ta chemise blanche, il t'en fait tout un cirque. Tout un cirque. J'exagère quoi en fait? Parce que juste comme ça, si tu veux, je fais une tâche sur mon sweat et on va voir un peu si je fais dans l'exagération. Eh, t'insultes pas mon sweat, je t'ai dit. Hein. La communauté Undertale, si elle tombe sur cette vidéo, je ne te défendrai pas. Hein. Je suis avec elle. Drama queen. Non, mais deuxième chose sur lui, c'est comment dire, un mec assez carré. Vraiment, très 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 carré. Non, mais franchement, voyez mon père, si je vais à une soirée, et qui me dit « Tu rentres à 23h et au lieu de ça, je rentre à minuit. » Il est souple. Je vais me faire un petit peu disputer, même si je suis majeure. Mais bon, ça va pas être dramatique. Lui, c'est... Trender. Lui, il est très strict, carré. Vraiment, il est... C'est 23h, c'est 23h. Si t'es pas là à 23h, oula! Ah oh bah là, pendant une semaine, t'as pas de sortie. Hein. Je suis bien contente de pas être sa fille. Oh, ça va, hein. Je suis ta nièce, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Troisième chose sur lui, il est gay! Il est gay, les fangirls, je suis désolée! Il est homosexuel à 100%! Quoi, le bright pain, c'est bon, hein, on est seul. Bon, il y a Toby, Jane et Sally qui sont pas loin, mais bon, j'ai envie de te dire, hop, chez les Creepypasta, les yaoi, ça existe beaucoup. Mais c'est le seul vrai gay. Enfin, si on compte pas Masky ou Di, hein. Mais ça, c'est une prochaine vidéo. Oui, bon, ça va, je descends. Pas tout de suite. Pas envie. Je suis bien là. Je suis toujours petite à la caméra. Quatrième chose sur lui. C'est un styliste très connu. Enfin, très connu. C'est-à-dire que il inspire les stylistes connus dans le monde entier. Vous vous rendez compte ou pas là? En fait, j'ai en quelque sorte une célébrité de la mode. Dans ma famille, c'est magnifique. Enfin, si je m'occupais de la mode. Oh, je t'ai déjà dit de pas critiquer mes habits.
Franchement, tu critiques Sans d'Undertale? Tu vas voir les commentaires qu'il va y avoir sous cette vidéo, hein? Je vais te les montrer même, tu vas voir. Ah oui, et la dernière. Eh bien, cinquième chose sur lui, il peut se transformer en humain. Et c'est le seul de cette famille à pouvoir le faire. Et ouais, rien que ça. C'est-à-dire que si vous allez acheter du pain, vous pouvez très certainement le croiser sans vous en rendre compte. Ouais, quand même classe. D'ailleurs, c'est tellement classe que je vais vous mettre une photo de lui en humain. Ça va, je rigole. Bon, on n'a pas trop le droit en fait parce que... C'est même pas parce qu'il n'est pas d'accord, hein. Sinon moi je l'aurais mis la photo. Non, c'est juste que si je la mets cette photo, bah vous allez vouloir le chercher. Et quand vous allez le croiser dans la rue, vous allez lui sauter dessus. Bande de fangirl ou fanboy que vous êtes. Donc bah non, je peux pas. Protection de la famille et tout, les creepy hunters qui pourraient se ramener. On va éviter, hein. Ah non, mais j'ai pas fini, tonton, hein. Non. Il y a une chanson. Comment ça, t'étais pas au courant? Non, mais t'as pas vu les deux autres vidéos avant ou quoi? Sur Splendor et Offender. Et Offender. Mais si, tu vas kiffer. J'ai mis ta chanson préférée. Hop. Allez, c'est parti. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Que le ciel me tombera sur la...
les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à la faire. Et avec mon oncle... Mais non, je te dis, j'hésite pas. Sérieusement, vous auriez pu choisir mon père quand même. Hein. Non mais parce que lui, le nom, je sais jamais. D'ailleurs, c'est... Je crois que je vais l'écrire beaucoup comment en montage. Rien, je disais rien, non. Hein? Donc oui, j'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Moi, avoir du mal avec ton prénom. Mais non, mais... T'es bête, pourquoi? Pourquoi j'aurais du mal avec ton prénom, oncle... Oncle Trender. Oui, c'est vrai, tu dois y aller. Tu tiens au revoir quand même aux abonnés? Bon, lui, c'est fait. Je vais retirer ça. J'ai chaud. Enfin débarrassé de lui. Comment est-ce que tu t'appelles ?